Claude. Thank you.
Thank you.
à l'honneur. Allez, on est à 1000 à tête. Millième, c'est qui nous va ? Qui nous va ? On continue à marcher. 52 minutes. On récupère le marchand. Allez, on est à 52 minutes pour la première vague. On est à 48 minutes pour la deuxième vague. Allez, on récupère en marchant. Et on peut être à 44 minutes pour la troisième vague. En marche. Allez, à bien, Agnès, 52 minutes et 20 secondes. Eh bien, avancez, on récupère en marchant. Avancez, on s'arrête pas. On récupère en marchant, vous arrêtez pas. Lucia Robert également. Les Chinois. Le Jolling de Busan. Les GMG encore. Le ABH également. Mais ils sont peut-être pas. Allez, on récupérez en marchant. Marchez tranquillement. Récupérez en marchant. Récupérez en marchant. Avancez, c'est bien. Récupérez en marchant. Bravo. Bravo à vous. Récupérez en marchant. Récupérez en marchant, c'est bien. Bravo. Allez, on récupère en marchant. Bravo. C'est bien. Allez, on récupère en marchant. Bravo. Allez, c'est bien. Bravo. Allez, on récupère en marchant, c'est bien, bravo, avancez. On récupère en marchant, avancez. Allez, on n'arrête pas, on récupère en marchant. Allez, c'est bien, c'est très bien. Ne vous arrêtez pas, avancez en marchant. Ne vous arrêtez pas, c'est bien. C'est bien, ne vous arrêtez pas, marchez, c'est bien. On s'arrête pas. C'est bien, ne vous arrêtez pas, continuez à marcher. Non, on s'arrête pas, on continue à marcher. En marche. Vas-y, redresse-toi, marche. Allez, on y va. Bravo, avancez. Pas devant l'antenne. Tu vois pas. Faut me le dire, je suis pris dans mon truc. C'est bien. Ne vous arrêtez pas. Allez, on s'arrête pas, on marche. C'est bien, on continue, on marche.
Eh bien, bravo, continue en marchant. Continue en marchant. Allez, on avance, on continue en marchant. Allez, encore une arrivée qui se succède. Dans quelques instants, on se retrouvera sur le podium pour la remise des récompenses à partir de 14h15. On s'arrête pas, on a avancé.
Philippe, c'est une promenade, toi. C'est la promenade. Ouais, c'est la promenade. Avancez, marchez. Ne vous arrêtez pas, avancez, bravo. Ne vous arrêtez pas, c'est bien. Ouais, bravo les filles, bravo. Allez, on ne s'arrête pas. Allez, hop, on va faire un peu de temps.
En chef également Noël Pasquier qui présente la partie marketing, directrice du marketing du Ménibre et du groupe Ouest France, Damien Veillon, Gilles Le Brouillard d'Alonne et également Benoît Alzerny qui représente Soconi. Applaudissements s'il vous plaît pour ce podium féminin du kilomètre Soconi. Adoration, José Lecadre, le plus rapide sur ce kilomètre Soconi, mesdames et messieurs. Récompensé par Benoît Alzerny, sur la société Soconi, Monsieur Serge Danilo, rédacteur en chef du Ménilibre, également Nolwenn Pasquier, directrice du marketing du Ménilibre et groupe Ouest-France, Gilles Leproux et Mélina Robert-Michon. Allez, viens sur le podium. Avec Issa, voilà, qui est deuxième. Issa, viens sur la photo. Je passe sur la photo sur le côté, voilà. Côte Renaventure. Elle termine à la troisième place. Adeline Pouillot. Sur la deuxième marche du podium, Vinciane Cusso. Et vainqueur de ce challenge contre l'aventure, Séverine Hamel. Voilà, vos applaudissements à mes publics, vous êtes nombreux aujourd'hui. Est-ce que vous êtes là? J'ai rien entendu. Est-ce que vous êtes là? Noël Pasquier, directrice marketing du journal Le Ménibre et du groupe Ouest France. Et sur la plus haute marche du podium, il va être récompensé par le représentant de Belle Aventure, Benoît Mignon. Vous allez pouvoir lui faire une belle ovation. Il a été le plus rapide sur cette montée, Mathias Pichon, le vainqueur de la côte Belle Aventure. Récompensé par Benoît Mignon, voilà, superbe trophée, le bouquet de fleurs. Et Benoît, tu peux le mettre juste à côté, là, pour la photo, regarde. Juste à côté, voilà, sur la troisième marche du podium, pourquoi pas. Voilà, applaudissements s'il vous plaît pour notre podium avec nos amis du Ménibre également. Voilà pour la photo, le applaudissement pour le Bonne Aventure. Mario Gassier. Sur la deuxième marche du podium, elle nous vient d'Inaya Athlétisme. Un temps de réalisé de 38 minutes et 9 secondes, Vinciane Cusso. Vainqueur de cette catégorie féminine sur ce 10 km Le Ménilibre, Inaya Athlétisme, 37 minutes et 5 secondes, Séverine Hamel.
plaisir d'avoir Séverine Hamel au micro avec Jean-Claude. Alors, Séverine, je vais monter un petit peu quand même, parce que, voilà, Séverine, oui c'est ça, effectivement, que des victoires aujourd'hui, hein, que ce soit sur le kilomètre Soconi, également sur la côte Bonaventure, et puis bien sûr sur le classement Scratch, est-ce que c'était un objectif pour toi ? Pas du tout, mais le premier kilo, c'est sûr, c'était pas un objectif. Cette année, l'année dernière, j'avais gagné, mais j'étais parti très vite. Et j'avais un peu subi, là, j'ai pas voulu, j'ai eu tant mieux. Et après, gagner la course, c'est toujours un objectif. Quand on prend le départ d'une course et qu'on est favori, on a envie d'aller au bout. On sait jamais ce qu'on va aller. Maintenant, j'ai 45 ans, les pitchers peuvent arriver. Et puis, voilà, on est bon. Après, je suis en train d'être venu. Et puis, gagner les trois challenges, bah, c'est sympa. C'est peut-être la seule sortie de l'année, mais c'est bon. Oui, pas d'objectif majeur pour cette saison. Non, pas d'objectif. Maintenant, on a un objectif de réussir à courir avec du plaisir. Donc, je m'éclate tous les samedis matins avec mon club à l'entraînement. Je me sors tous les samedis matins avec les copains. Et voilà, après, j'essaie de trouver quelque chose qui peut m'attirer, qui peut aussi que je peux faire sans stresser, ça c'est pas gagné. En tout cas, les crosses, c'est terminé pour moi. J'ai fait mon temps et puis les chronos, ils sont derrière maintenant. Merci Séverine. Quelques mots Vinciane, quelques mots. Vinciane Cusson qui termine à la deuxième place. Alors peut-être que toi, tu as quand même des objectifs sur cette saison-là. Pardon ? Des objectifs sur la saison. Oui, moi j'aimerais bien faire la saison de cross, même si on prend des années, j'aime toujours autant ça. Donc si je ne suis pas embêtée par les bobos, je serai au département toi en tout cas. D'accord, et puis peut-être des courses sur route également avec un objectif. Oui, les courses sur route aussi, bah, on va essayer de jouer le collectif sur les championnats, les championnats de France de 10 km au moins, et puis peut-être le marathon de Paris, j'aimerais bien. Voilà, c'est ce qu'on attendait. Merci Vinciane, merci beaucoup. Alors, Marion, Langevine, celle qui nous a quittés, hein ? Bah oui, avant elle était dans notre département. Voilà, Marion, alors objectif également, la saison de cross, très certainement, et la suite ? Cette année, pas de compétition, parce que dernière année d'études et donc très chargée, entre Paris et Toulouse, donc des entraînements qui deviennent de plus en plus compliqués à faire. Donc je me suis pas fixé d'objectif pour cette année, sauf cette course du coup qui me tenait à cœur, et voilà, pour essayer de sortir de la pression, on va dire, que je connais maintenant depuis quelques années, donc vraiment une course que j'ai essayé de faire pour le plaisir, et donc je suis forcément pas déçue. Merci. Allez, vos applaudissements. Ce magnifique podium du scratch féminin. Merci mesdames, applaudissements. Voilà, on va demander à nos garçons de venir nous rejoindre pour le podium du scratch masculin. Patrice Legal, Mohamed Moustaoui et Jimmy Gressier qui est déjà avec nous. Voilà. Alors merci mesdames, on va vous raccompagner. Qui va être récompensé dans quelques instants sur la deuxième marche du podium avec un chrono de 31-35. Monsieur Mohamed Moustaoui. Récompensé par Gilles Le Premier de l'ONU. Bravo. Allez, 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 effectivement, remise de récompense, le bouclier, la couronne de l'histoire pour Mohamed Moustaoui, deuxième. Et mesdames et messieurs, pour celui qui a été chercher la victoire en 30 minutes et 28 secondes, vous allez pouvoir lui faire une belle ovation. Il n'est pas l'honneur, mais il est l'honneur d'adoption. Mesdames et messieurs, ovation à monsieur Jimmy. Jimmy Gressier qui reçoit les fleurs de la main de Noël Costier, directrice marketing du Ménilibre et du groupe Ouest de France, et Damien Veillon, responsable de l'organisation du kilomètre Ménilibre. Applaudissements s'il vous plaît pour ce podium, Jimmy Gressier, Marlène Moustaoui, Patrice Legal. Allez, les entrepreneurs, j'applaudis encore bien fort avec le son et la musique. Faites du bruit pour ce podium. Come on, come on, come on.
passer maintenant le micro, voilà. Restez avec nous, on va vite baisser la musique. On va passer le micro, effectivement, à celui qui s'est imposé, parce que c'était un bel objectif, peut-être pas l'objectif de l'année. En tout cas, un réel plaisir de se retrouver ici, Jimmy. Et je crois que tu as un petit message particulier. On va juste baisser la musique, voilà. On va éteindre la musique pour avoir notre ami Jimmy Gressier. Oui, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir pour moi de venir ici. Je me sens accueilli comme à la maison. Donc, merci à vous pour l'accueil. Je porte un dossard aussi pour les bénévoles. Merci à vous. Sans vous, ce ne serait pas possible d'organiser une telle organisation. Donc je sais que vous êtes présents depuis le début de la semaine. Donc merci à vous de rendre ce beau cross possible qui est pour moi mon événement préféré, mon cross favori. Malheureusement, aujourd'hui... J'ai décidé de pas faire encore une nouvelle fois cette année le cross des As parce que j'ai d'autres objectifs derrière et je reviens de vacances. Vous imaginez qu'après quelques cocktails, etc., je peux pas être en forme. Donc maintenant, il est temps de reprendre l'entraînement normalement, de refaire monter la forme petit à petit. Et donc c'est pour ça que je fais le 10 km, c'est pour pouvoir aussi partager avec le public et partager aussi avec mes coéquipiers ici à côté. Donc c'était une bonne course. Merci à tout le monde et merci à eux.